Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Comment. Dans cette nouvelle vidéo de gymnastique, nous allons faire une routine simple pour réussir le grand écart latéral. Il est important de noter que cette routine s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. Si vous avez un niveau avancé, cette routine peut donc vous servir d'étirement avant ou après votre entraînement sportif. Nous allons commencer assis, puis nous allons venir prendre notre jambe et la rapprocher de la poitrine autant que possible, le tout sans trop forcer. On essaye de tenir cette position quelques secondes. Puis, on répète l'exercice avec l'autre jambe. Pour le prochain exercice, nous allons rapprocher nos jambes de manière à ce que nos talons se touchent et nous allons faire l'étirement du papillon. Nous allons faire battre nos jambes doucement de haut en bas, puis essayer de se rapprocher encore un peu. Il est important de maintenir le dos droit. Il ne faut pas qu'il soit trop en avant ou trop en arrière. Maintenant, nous allons répéter tout le circuit, mais en forçant un peu plus à chaque exercice. Puis, nous répéterons le circuit une dernière fois. Pour le prochain exercice, on va se placer sur le côté et nous allons réaliser 5 lancers de jambes avec la jambe pliée, puis 5 autres avec la jambe tendue. Ensuite, nous allons venir réaliser une ouverture de jambe d'avant en arrière. On fait 2 répétitions. Puis on maintient la jambe en arrière plusieurs secondes. On fait le même exercice avec l'autre jambe. Maintenant, nous allons faire la posture de la grenouille pendant plusieurs secondes. Pour finir, nous allons d'abord étirer une jambe, tandis que l'autre reste pliée. Essayons de tenir quelques secondes. Il faut répéter l'exercice, mais avec l'autre jambe cette fois. Une fois que nous aurons fait tous ces exercices plusieurs fois, nous pouvons passer au grand écart latéral.
Nous pouvons le faire en pliant les coudes et en tenant plusieurs secondes, ou bien nous pouvons également le faire avec les bras tendus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de toutes les vidéos que nous partageons. À la prochaine !